Bonjour à tous, aujourd'hui donc une longue vidéo pour la tâche du syndicat de l'épée longue ensanglantée. Donc vu l'édition, c'est 50 kills à l'épée d'inquisition en or et 25 neutralisations. L'épée d'inquisition en or se débloque après le syndicat de l'épée bouclier. Je vous laisserai regarder les prérequis parce qu'il y en a beaucoup. Ça fait encore 50, etc. Celui-ci donc c'est le nouveau 100 plus donc 60. Voilà. Alors là je me trouve sur Opération Nocturne et j'avais eu envie de tester le gadget donc des lunettes de vision nocturne. Vu la vision en vert, hein. Ce n'est pas votre télé. Voilà. Je l'ai buté. C'est jouissif de jouer à l'épée. Bon, on meurt souvent, bien sûr, parce qu'on est très vulnérable. Surtout s'ils sont deux. Bon, là, il y avait un campeur qui venait tout le temps. Voilà, il se couche. Et hop. Et le crabe, je n'en ai fait qu'une bouchée. Là, les lames. Et à nouveau, tiens mon copain canardo, qui apparaîtra dans d'autres vidéos. Beaucoup à l'île laser notamment. C'est un petit suisse. Alors 13 de tripa qui joue beaucoup en hardcore, je le vois plus trop maintenant. En ce moment, je crois. Un campeur. Voilà, petit épée. L'épée. Un loin. Rando, un français, je crois. Je croisais beaucoup en dedans. Oula, j'ai échappé de belle mine laser. Alors, là ça va beaucoup mieux, on est dans le désert. Vous apprécierez mon arme en carton, sinon. Alors, on va dans la maison des campeurs, enfin dans les maisons de campeurs, là, sur le côté. Qu'est-ce que tu fais avec une lunette de vision nocturne en plein désert, toi? Je sors l'arme, donc il faut appuyer une fois sur R3, je crois, et puis maintenir. Et comme ça, on se promène avec. Voilà, j'arrive par derrière le campeur. Hop, carpe diem. Il va bien profiter du jour, lui. Du jour présent. Tiens, non, vas-y. Oh. Désolé, tu seras dans la vidéo. Gros bisous. Voilà, on passe légèrement à la map. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Voilà, c'est à prendre là, sur le côté. Petite série de deux là. Il n'y a pas eu de bol. L'idéal est bien sûr d'arriver par derrière. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Andoufran, je crois que c'est un espagnol là aussi lui. On est laser. Ah, on va piquer un kill. Mais je vais me rattraper. Voilà, vous remarquez que ça marche même sur le bouclier. En fait, c'est un des rares trucs d'ailleurs qui marche contre le bouclier quand on arrive par derrière. Voilà, on est subtil, on passe par derrière, on contourne. Et à nouveau. Non. Pas moi. La mine était bien posée, mais elle se voyait. Ah. J'avais été lui. Allez, on passe sur la map centre-ville. J'ai essayé de varier les maps. Pas forcément une map de combat rapproché, mais on se débrouille. Là, je vais fuir parce que ça sert à rien. Hop, on saute. Bien fait d'ailleurs. L'épée, forge le fer, et voilà. Je suis passé avec la MP9, je crois, si monsieur. On va aller plus vite. Suspect éliminé. Hors d'or. Un petit campeur au snap qui croyait m'avoir, mais là ils ont patché, donc ils ont mis le petit électricité
qui paraît quand la mine vient juste d'être mise. Débarrassez-moi de ces types. Ça. On passe à Hollywood. Petit bug parce qu'il avait dû me magasser. Petit bug que les campeurs. C'était là, ce qui reste sur le toit. C'était son cas d'ailleurs. Vous le reverrez dans quelques instants. Bon, petit passage au jury, désolé. Voilà, avec l'inquisition. On enlève la mine pour les copains. Alors mon endroit préféré pour les cuts. La colline des hauteurs de Hollywood. Voilà, je passe hors zone. Ça marche. Allez, 3 fois sur 4. On arrive par derrière eux. On a toujours moins. On galore beaucoup, ah bah c'est un scandale ça. Ils sont beaucoup mangeurs, on enlève la petite caméra parce qu'elle peut vous repérer. On galore beaucoup, une deuxième fois, non, c'est pas un bug. Il y a un endroit. Alors là, un petit truc un peu particulier. Donc... Bon, là c'est pas mal. Et après, il va y avoir la... balise satellite, téléphone satellite, c'est le détruire, et tiens, mec qui apparaît à ce moment-là. Pas de chance, c'est celui qui campait tout à l'heure sur le toit. L'autre côté de l'hôtel d'Hollywood. Je suis un peu optimiste, mais je reprends, j'en ai quand même un. Derrière dans l'escalier, le wiki, je vais me faire deux fois d'ailleurs. Un petit peu de jeu. Voilà, le wiki deux fois. Droite qui marche. Là aussi un bon endroit, il y a un point. On arrive par-dessus et on ne peut pas riposter. Une deuxième fois. C'est pas envoyé. J'ai eu en sautant. Il m'a pas vu, mais c'est pas grave. Oui, je l'ai fait dans... J'en ai fait pas mal dans cette partie. En fait, je crois 9. Je sais qu'à faire ça, parce que c'est vrai que... Sinon, on le fait occasionnellement. Hop, alors là, bon point de camp, effectivement, on s'en souvient à voir. Allez, une petite feinte, on va aller à droite. Bon, il est pas très patient, on part. J'ai cru que j'étais là. Eh ben non, oui, j'étais lui à droite, mais c'est vrai que c'est clairement qu'il avait pris l'inquisition. À nouveau le camp. L'importance des déplacements quand on joue au corps à corps. Hein. Ah, troisième côté du King. Alors là, les anciens camarades de clan que j'avais retrouvé par hasard un dimanche en MME sur ce DLC. Là, je le poursuis. Et je vais le faire une première fois. Et qui c'est qui me tue? C'est Chris Weber. Voilà, ancien camarade de clan. Décathlonien pour le guerre de clan qui est pas loin de son copain. Et voilà, une deuxième fois. Et là vous allez dire que j'étais le... On revient sur Hauteur de Hollywood. Allez, toi t'es pas très doué, tu veux jouer au snipe pour te faire plaisir. Je vais te cuter deux fois. Je pense qu'on l'a vu.
ce... Ah. Fail, fail. Troisième fail. Et quatrième. J'ai abattu un suspect. Voilà, donc là c'est le battle pack or parce que c'est mon 50e kill et j'avais fait les neutralisations avant. Donc c'est pas très chronologique mais voilà. Allez, on revient en neutralisation. Donc là j'étais avec mon copain d'Angie, le lieutenant du camp, au sauvetage, à la grande époque, au début de cette année. Voilà. Un au hachoir. Alors la neutralisation c'est qu'il faut enclencher la cinématique du corps à corps, hein. Faut pas juste faire deux fois cut que les dégâts se cumulent quoi. Donc voilà. Donc ça peut marcher avec le hachoir. Canardo, tiens mon copain de la mine laser. Un petit campeur là autour d'Hollywood, je vous avais dit que c'était un bon moment. Et le signe astrologique chinois du lapin. Dans une prochaine vidéo. Donc là par exemple le premier coup du hachoir n'a pas marché mais le deuxième marche. Boulet droit devant. Pour la neutralisation j'attends. Un grangé. Petit magnum en or. Mon arme principale si je peux dire. J'ai plus de 1700 kills maintenant avec. Voilà, bon, il était AFK, donc là, c'était facile. Vers les boutiques. Donc là, c'est la partie juste après, donc il est encore AFK. Avant qu'il soit éjecté, je vais me le faire. Parce que les autres sont partis, je suppose. Voilà. Par contre, je peux pas l'interroger, c'est dommage en sauvetage. Allez, on revient au soleil, sur des herbes poussières cette fois-ci. Une rangée, ah, en sauvetage d'ailleurs, voilà. Il ne leur reste qu'un seul homme. Donc là, j'ai pris le hachoir, parce que j'essaie de faire 100 kills avec les armes de corps à corps. C'est vrai qu'en sauvetage, j'ai essayé de prendre la matraque ou la batte de baseball en contournement qui permet d'interroger en fait. Comme ça, ça permet de voir la place de tout le monde. Donc là, le signe du singe. Voilà pour ceux qui cherchent encore à le faire. Sur la chute. Et un campeur qui m'a manqué qui est né depuis un petit moment. Je crois qu'il avait fait un 5-0 sur moi. D'où le T-bag qui va suivre. Voilà. En plus, quand tu spawns juste en bas de sa visée, c'est un peu chiant. Alors. Campeur, on va agacer, avec son vengeance. Allez, donc retour à la centre-ville. Donc là, ça va être facile parce que j'arrive juste par derrière. Donc, voilà. Donc là, si j'avais mis un deuxième coup de hachoir, c'était mort. Et j'ai aussi enchaîné avec la neutralisation, le signe du serpent donc. Moi jamais un suspect avec une pas quelque chose c'est bon je suis sûr là trop vulnérable la cinématique était pas finie mais c'est pas grave ça la compte quand même ah, deux fois de suite un peu de tri. Voilà, bah, j'ai un peu de chance, mais on va pas, je sais pas quoi faire. Hauteur de wood, vous voyez, j'ai un petit carte, encore un corps. Un petit peu de pistolet, 40 pots, ah, très très bien. Oui, un petit camper ici, ça va être sans bon point. Et alors, je vous casse sa série. Parfait, en plus ça avait fait de l'acquisition. Donc là, arrivé par ce côté,
Ça permet aussi de sauter, mais là, je fais au-dessus. Encore un nouveau track, campagne. Ah, là, c'est un peu effondré. Là, j'ai un peu de bol. Je tombe par le trou, j'arrive à... C'est une laser, je sens que je vais me la prendre. Ça m'a compté le kill. Je pense d'affichage. Je crois que j'avais mis la vidéo en ligne aussi de ce bug. Voilà. Ah, je suis bloqué. Et oui. Il y avait quelqu'un. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous, je pense que vous l'avez aimé, si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que bah, je vous invite à la liker, ça fera plaisir, parce que voilà, c'est long à faire, après plusieurs mois d'ailleurs, enfin, j'avais laissé un petit peu en suspens, et là, voilà, donc si ça sera, je vous remercie par avance. Voilà, et ça donne ce joli écusson avec l'épée. Et voilà ce qu'il fallait réaliser. Voilà, je vous dis à très bientôt. PlayStation.